Salut tout le monde, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des prochains trophées de The Taken King. Donc le leak vient de sortir. Je ne sais pas s'il s'agit d'un bug ou de l'ouverture officielle, du moins de l'annonce de ces fameux trophées. En tout cas, ils sont au nombre de 10 et vous les voyez s'afficher actuellement à votre écran. Donc premier trophée, The Taken King, complétez la quête The Taken King. Donc c'est le tout premier, je pense que ça doit s'agir d'une mission banale ou d'une quête banale que l'on rencontre au tout début du DLC. Trophée suivant, Night Court, donc il faut compléter The Court of Oryx Quest. Donc Court of Oryx, c'est un mode que j'ai eu l'occasion de tester au studio Bungie de Seattle récemment. Donc je pense qu'il s'agit simplement de compléter cet événement qui se trouve tout simplement en patrouille sur le cuirassé d'Oryx. Ou alors peut-être que ce sera une quête liée à cet événement. Trophée suivant, Hunger Pond, donc là à nouveau compléter une quête, The Old Hunger. Quatrième trophée, Second Wing, donc il va s'agir de compléter encore une fois une quête concernant les échos d'Oryx. Les trois prochains trophées concernent les doctrines de vos futurs personnages, donc Stormcaller, Sunbreaker et Nightstalker. Il va falloir réaliser trois quêtes en relation avec ces doctrines. Trophée suivant, Steel Got Wolf Problem, il va falloir compléter une quête en rapport avec les loups sur Mars. Et enfin, les deux derniers trophées, The King Is Dead et Long Live The King, il va falloir tout simplement compléter le raid qui se nomme La Chute du Roi en mode normal et en mode héroïque. On a donc fait le tour de ces 10 nouveaux trophées qui sortiront à l'occasion du DLC Taken King. Encore une fois, une info qui nous rapproche encore et toujours de la sortie de ce DLC et nous donne vraiment l'eau à la bouche. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde! Saga!